Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour voir où trouver les cendres du guerrier, du chevalier banni Oleg. Donc c'est celui-là qui coûte 100 PC hein, quand même, parce qu'il est bien costaud. Et donc pour le trouver, on va se rendre au cimetière abandonné. Je vous invite à faire pause sur la carte pour vous situer où on est. Pause sur ma vidéo pour vous situer où on est sur la carte. Ok. Et en gros, si vous reconnaissez, c'est le premier footcamp du jeu, du tout début, hein, après le tuto. Et en gros, juste là, vous avez une petite gargouille. Et en gros, si vous avez sur vous une clé lame de pierre, j'en ai pas sur moi, donc je peux pas vous le montrer, mais en gros, regardez sur la gargouille, il y a une épée sur sa tête. Il ressemble à ça l'item. Il sera dans vos outils ici. Et en gros, vous l'utilisez sur la gargouille et ça va vous ouvrir le chemin ici. Et en gros, là, vous aurez un donjon à faire. Et à la fin, vous aurez un boss qui s'appelle, si je me trompe pas, l'arbre ulcéreux. Je vous mettrai le lien de ma vidéo en description qui vous montre comment vaincre ce boss, l'arbre ulcéreux. C'est un boss qui est très costaud et je vous invite à ne pas venir avant que vous ayez bien avancé dans le jeu quand même. Mais ça, je vous l'explique dans la vidéo en question. Et en gros, en tuant le boss, à la fin, vous récupérez sur lui les cendres de Oleg. Tout simplement. Et bien écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!